Bonjour à tous. Les places européennes sont dans le vert ce lundi. Elles s'inscrivent dans le sillage de la clôture des places asiatiques de ce matin. La bourse de Bruxelles gagne 0,7% à la mi-séance après un bref passage dans le rouge. Et quelques valeurs sont bien dans le vert, notamment la société d'imagerie Agfa Gevaert qui gagne 4,5% et la société de transmission de données sans fil Option qui prend elle 5,5%. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous allons jeter un coup d'œil sur la bourse de Londres. Le titre de la société irlandaise Ryanair chute de 13%. La société low-cost Ryanair a présenté un résultat net du troisième trimestre en baisse de 27% et en cause principalement les tarifs d'hiver et une année précédente très bonne. Le chiffre d'affaires a progressé de 16%, le trafic s'est accru de 21%, mais le rendement a reculé de 4%. Pour l'année 2007-2008 qui se termine en mars, Ryanair maintient ses objectifs de résultats en hausse de 17,5%, mais les résultats de l'année prochaine, 2008-2009, risqueraient de baisser jusqu'à 50%. La compagnie low cost craint en effet encore une hausse du prix du baril du pétrole et le ralentissement économique en Europe. Merci de votre écoute.